Venez me poser les questions. Venez me poser les questions. Salut Larissa, ça, comment tu vas? Un soleil, hein? Ah. Le temps commence à être intéressant, hein? Mais voici en manche longue là. Le temps commence à être chic, sexy. C'est où j'arrive comme ça? Tu arrives où? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est où tu arrives comme ça? Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas, Larissa. Aïe, mes pieds. Voilà, venez me poser les questions. Les amis de veulent qui veulent me poser les questions, venez me poser. Si je veux répondre, je vais répondre. Si je peux répondre, si cette question mérite d'être répondue, je vais répondre. Ouh, ouh. Je suis à ma pause, j'ai pris à 44, je réponds à 13h44. C'est ça qui est. Ah, tu me rejoins en ville. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Rejoins-moi. Va me rejoindre. On dit quoi, les amis? Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je suis contente comme ça. Je suis en forme aujourd'hui. Je ne comprends pas. Pourtant, ça fait 4 jours que je travaille en fait. 4 jours d'affilée. Posez-moi la question, je suis en pause là. Adingra, il joue dans un club. Il a dit Adingra là. Un jour, non. Vous allez vous asseoir pour on dit qu'ils vont parler de mon enfant comme ça. On dit, hey, l'enfant de Sylvia, l'enfant de. Moi là, un jour, je donne quelqu'un. Reste là seulement. Hey. C'est mon enfant qui a me rendre l'homme, mon héritier. Il joue ballon, hein, mon fils là. Ah. On n'a jamais le connaître. C'est le jour que. C'est quand toute la Côte d'Ivoire va le prendre pour dire, ah, il joue ballon. Il joue ballon, hein. On ne sait pas qu'il jouait ballon. C'est un jour sa maîtresse, quand j'étais revenue du Maroc, sa maîtresse qui m'a dit, ah, ton enfant, il est très fort en football. Il dit, ah bon? On se chope à la gare de Cornavin au Brasseur. À quelle heure? Demain? Au Brasseur, c'est quoi ça? C'est un petit coin. À quelle heure? Demain, je ne travaille pas. Demain, je ne travaille pas. Donc, on peut se choper demain. Et les 2 jours, il a donné le nom à Suisse. Hein. Il a donné le nom à Suisse, même 2 jours. Hein. Il a donné le nom. Les gens me contactent, ça m'écrit. Hey, Sylvia, je vais travailler en Suisse. Donc, moi, aïe, l'influence de ça. Maman, maman, Sylvia, là, c'est l'influenceuse. Ça qu'il s'agit. Ça a devenu une voix. Je n'aime pas ça. Oh, mais voilà, on met ça ici. Sylvia, en sa face de la gare de. Excusez-moi, c'est une nouvelle encore à Genève. Coucou, Malin, ça va? Tu pourras faire des enfants avec notre beau dévot dans le futur proche? Ça, c'est une très belle question, en fait. Alors, c'est une très, très, très belle question. En fait, ça va dépendre. J'ai 2 enfants déjà. Voilà, j'ai 2 enfants. Et si ça tenait qu'à moi seule, je n'ai plus envie de faire d'enfants. Voilà. Si ça tenait qu'à moi seule, là, mais je suis en train de négocier pour ne pas. Parce que là,
Alors, je n'ai plus envie de faire enfant. Il veut faire enfant avec moi, mais ça va voir, ça va venir. Mais pour que je puisse faire mon troisième enfant en question, il faut que tous les moyens puissent être là. Voilà. Il faut qu'il ait les moyens de prendre une nounou qui va s'occuper. Ça la garde, d'accord, pas de problème. Je me suis pas encore bien promenée à la gare. Demain, je vais me balader bien dans la ville de Genève, bien. Voilà, parce que moi, j'aime me promener. Donc, je disais, pour faire un troisième enfant, là, pour le beau des beaux, là, il faille que lui-même, là, il mette, ça y est, il faut qu'il mette tout en accord parce que je vais pas faire un troisième enfant et puis je vais galérer, non. Je vais pas faire un troisième enfant pour venir dire que non, on va compter sur l'aide de l'État, non. Donc, il faut qu'il mette une nounou. Il faut que, bon, lui-même va s'appliquer. Il faut qu'il mette une nounou qui soit là 24 heures sur 24. Voilà. C'est-à-dire, quand je suis pas là, la nounou, elle est là. Voilà. Quand je suis occupée, non, j'ai pas un enfant, j'ai deux enfants. J'ai une fille et puis un garçon. C'est le garçon qui est le premier. J'aime beaucoup parler de lui parce que c'est mon enfant de galère. C'est l'enfant qui m'a motivée. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de lui. Sinon, j'ai deux enfants. J'ai une fille et un garçon. Ma fille, vous ne la voyez pas trop. Je ne la montre pas trop. Mais un jour, je vais vous la montrer. Voilà, je vais vous la montrer un jour. Je ne la montre pas trop. Je la protège. Elle est très belle, ma fille. Eh, hey, maman Monica, oui, je vais très bien. Oh. Et toi, tu vas bien, maman? J'espère que tu vas très bien. Je vais vous montrer un jour ma fille, très belle. Ma fille est très belle. Hein. Voilà, je ne la montre pas trop, je ne parle pas trop d'elle. Voilà, sinon elle est là. J'ai deux enfants. J'arrive. Donc, du coup, pour faire le troisième enfant, là, franchement, dit, il faut qu'il mette tous les moyens, en fait. Voilà, c'est lui qui va mettre tous les moyens. Si tous les moyens qu'il met, c'est bon. Je pourrais faire un enfant pour lui, tranquille. Voilà, un enfant du foyer. Voilà un peu. Sinon, moi, j'ai plus envie de faire. J'ai deux enfants. Donc, je vais profiter de ma vie. Profiter de ma vie à mes enfants. Voilà ce que je fais pour le moment. Maintenant, si ta fille vit avec toi. Non, elle ne vit pas avec moi. Elle est en Côte d'Ivoire. Mes deux enfants sont en Côte d'Ivoire. Il y a une... Non, elle n'est pas née ici. Elle est née en Côte d'Ivoire. vous intéressez plus à la fille. Hein? La famille du beau de vous pense quoi de votre relation? Ils vont penser quoi? Moi, quand je suis dans une relation, là, je vais vous expliquer aujourd'hui. Quand je suis dans une relation, j'aime pas que ma famille se mêle de ma relation pour dire que la famille de mon chéri va se mêler de ma relation. J'aime pas. Tu m'apprécies, point barre. Nos problèmes, nos trucs, on les gère. Voilà. Peut-être je peux avoir une belle soeur avec qui je m'entends tranquille. Voilà. Mais pour dire que la famille va s'impliquer, voilà, non, pas du tout. On est de grandes personnes, on s'aime beaucoup. J'arrive, je vais répondre à vos questions, ça passe bien. On est de grandes personnes, on s'aime beaucoup. Et c'est l'essentiel. La belle famille doit accepter ce que nous, on veut. Donc, voilà un peu. Et ma belle-mère ne vit pas. Ma belle-mère ne vit pas. Oui, oui, non, je demande qu'on pose les questions. Voilà. Je demande qu'on me pose des questions. En fait, c'est ça le titre. Je vais bien. Prends soin de toi, ma petite ambitieuse. Merci beaucoup, maman. Eh, on vous suit, non? On vous regarde pour vous suivre. C'est ça. Chantal, je pense que le deuxième est l'enfant du beau des beaux qui est devenu l'enfant de la lionne. Non, non, non. Deuxième n'est pas l'enfant du beau des beaux. Ma deuxième fille, elle a, comment on appelle ça? Elle a 7 ans. Voilà, ma deuxième fille, elle a 7 ans. Elle n'est pas l'enfant du beau des beaux. Je l'ai eu en Côte d'Ivoire avant de m'engager. Voilà. Bonjour, Issa Siri, mon cœur de mon cœur. Avant de m'engager à l'aventure, j'ai fait mes enfants avant de me balader dans le monde entier. Voilà. J'ai pas parlé de ça. J'ai jamais parlé de ça parce que, voilà, un peu quoi. Moi, vous savez que ma vie, c'est un peu. C'est quand j'ai envie de parler un peu, je dis, bon, venez me poser des questions, puis je vous parle un peu à cœur ouvert. Voilà. Sinon, j'ai deux enfants qui sont en Afrique. Voilà. Là, je suis en train de faire tout pour que le premier puisse venir, le premier garçon puisse venir. Et puis, 2 ans après, la fille viendra. Comment fais-tu pour être aussi forte maintenant? Betty Christiana me demande cela. C'est inné, c'est né avec moi en fait. L'énergie, même au travail, on me dit ça souvent. Sylvia, tu es beaucoup énergétique. C'est, en fait, j'ai un mental très fort en fait. C'est né. Je suis née avec ça en fait. J'ai un mental très fort et je prends la vie du bon côté. Je ne prends pas le mauvais côté de la vie. Parce que si tu prends un petit temps pour être triste un peu, ça peut endommager ton cerveau, ton moral et tout peut aller en couille. Il faut avoir vraiment l'esprit positif, il faut être positif, il faut être optimiste, il faut voir la vie du bon côté. Ce qui est négatif, tu mets ça à côté, voilà. Et il faut te dire que les problèmes, c'est pour tout le monde, c'est pour celui qui vit. Il faut vraiment être
positif vraiment dans la tête et puis avancer en fait. Et puis pour passer, il faut être positif, il faut avoir un moral ouvert, bien propre pour pouvoir réfléchir. Si ton moral est touché, c'est pas bon. Donc du coup, pour ne pas que ton moral puisse être touché, ne va pas vers des choses qui pourront détruire ton moral en fait. Donc voilà un peu comment je fais tout. Comment tu arrives à gérer les réseaux sociaux et le travail, c'est pas facile hein. J'arrive en fait. Voilà, c'est une question de... Hasta l'homme me dit, c'est une question d'organisation, tu vois. Moi, je suis beaucoup organisée dans ma vie. Voilà, je suis beaucoup organisée, j'ai des priorités. Voilà, j'ai des priorités. Si vous avez remarqué un peu comment je fais, j'ai un moment pour travailler. Je peux mettre 3 mois comme ça, je suis concentrée sur mon travail. Voilà, je travaille et après, je dis 3 mois après, je me prends des vacances. Parce que moralement, pour moi, il faut que je prenne des vacances. Parce que si je travaille plus de 3 mois sans prendre une petite pause, je risque de péter les blocs. Parce que si c'est comme ça, trop, ça commence à m'énerver et la colère commence à s'installer. Donc, il faut que je fasse une petite pause. J'ai un moment de travail et là, en ce moment, je suis en pause. J'ai 1 heure de pause, je place ma caméra. Mettre ma caméra n'impacte pas sur mon travail. Vous comprenez un peu. Quand je suis en train de... Vous avez vu, depuis ce matin, je n'ai pas fait de pause, rien, parce que je suis en train de travailler. Il y a des EHPAD où, quand je vais, je peux avoir mon téléphone sur moi, où je peux faire des petites pauses. Mais quand vous me voyez, je fais des petites pauses, c'est que j'ai un temps libre. Voilà. J'ai ma pause de 20 minutes, mais je n'ai pas fait de pause. Je suis tranquille. Donc, du coup, c'est à mes pauses. Les pauses sont là pour ça. Voilà. Là, je suis dans ma voiture. Je ne suis pas ici avec mes collègues là-bas. Je suis dans ma voiture. Et je mets ma caméra. En 1 heure, je peux parler avec vous. En 30 minutes, je peux parler avec vous. Et après, je retourne au boulot. Donc, du coup, ça n'impacte pas. Et quand je finis le travail le soir, si je ne suis pas trop fatiguée, je vais, je place ma caméra. Et le soir aussi, moi, je dors. Je suis une personne qui ne dort pas vite. Voilà. Je dors à minuit ou à 1 heure du matin. Donc, du coup, hier, par exemple, j'étais tellement fatiguée. Quand je suis allée acheter mon sandwich, j'ai mangé le sandwich, j'ai commencé à dormir un coup. J'ai commencé, j'étais tellement fatiguée hier. Voilà, j'étais trop fatiguée. Donc quand je suis fatiguée comme ça, là je ne réponds pas en fait. Mon corps ne répond pas. Donc pour allier, c'est un peu noir là, je ne comprends pas. Pour allier le boulot et puis, comment on appelle ça, les réseaux sociaux, c'est une organisation. Voilà, je prends de mon temps de repos, de mon temps de... Comment je peux dire ça? De mon temps où je n'ai rien à faire pour être sur le réseau. Mais je priorise toujours ma vie d'abord. Voilà un peu. Donc, ce n'est pas compliqué. Quand je suis fatiguée, c'est bon, je suis fatiguée. Il peut arriver que je puisse travailler toute la journée. Puis, j'arrive à la maison, je déborde encore d'énergie. Et puis, je fais un live. Voilà, ça passe crème. Voilà un peu. Bonjour, Malion. Bon week-end à toi. Merci beaucoup, Mayoti. Tu es une femme battante, déterminée, persévérante, courageuse, optimiste, malgré les aléas de la vie. Merci beaucoup, Myrna. Ben, il le faut, hein, il le faut, en fait. Le soleil, là, m'énerve dans ma voiture, là, en fait. Attendez, je me mets ici. Oh, maman, langage. Voilà, ici, c'est un peu bon. On va aller tout doucement. Tu as quel âge? Non, je ne dirai pas mon âge. Voilà, mais je n'ai pas encore 40 ans. Voilà. Sur la tête de ma mère, wallahi. C'est tout ce que j'ai de ma vie, je n'ai pas encore 40 ans. Mais je ne dirai pas mon âge. J'espère que tu sais même bien. Si on te dit qu'un jour, ah, Sylvie a 40 ans, dis non, c'est faux. Donc, sur la tête de ma mère, wallah, talay, je ne suis pas 40 ans encore. Voilà. Voilà. Je suis une jeune fille dynamique. Voilà. Mais je n'ai pas 20 ans. Voilà. Ici, on va voir. Betty Christina dit, merci pour ta réponse. J'adore beaucoup ton courage. Tu es un bon exemple, je trouve. Merci beaucoup, Betty. Allez-y, posez les questions. Je lis au fur et à mesure. Au fur et à mesure, je lis. Posez les questions, je vais répondre. C'est bien, hein, Sandrine dit c'est bien. Voilà un peu. Posez les questions, hein. Posez-moi les questions aujourd'hui. Ah, vous avez poudre, non, pour quoi. Je dis pas, Linda. Je dis pas. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, j'ai pas encore 40 ans. Voilà. Voilà un peu. C'est ce qu'elle peut dire. J'ai pas encore 40 ans. Laissez l'âge là, les guignols vont s'en charger de me donner l'âge qu'ils veulent. Mais je n'ai pas encore 40 ans, mais je suis une personne mature, très mature dans la tête. Ah, mais c'est ce que je dis là, je n'ai pas encore 40 ans. Flore Isabelle, je n'ai pas encore 40 ans. Voilà. Si le beau des beaux te demande de quitter les ressources, tu le feras? Non. C'est moi qui voudrais quitter les ressources, pas pour un homme. Voilà. Je ne fais pas les choses pour les gens. Je fais les choses pour mon cœur. Voilà. Donc, s'il veut me dire que quitte les réseaux sociaux, je ne les quitterai pas parce qu'il m'a trouvé dedans. C'est un choix. C'est quelque chose que j'aime. Il doit accepter. Il doit faire une... S'il voudrait qu'un jour que je quitte,
il doit faire, c'est comme une addiction. C'est comme tu dis à quelqu'un, non, il faut arrêter de fumer un coup. Non, c'est pas comme ça. Même quand on va voir les spécialistes pour t'aider à arrêter de fumer, c'est pas en un seul coup. C'est pas comme me dire, non, arrête de fumer, non. C'est pas comme ça. Donc, moi, je fais pas les trucs pour, je fais les trucs pour les gens. Non, je fais les trucs parce que mon cœur le désire. Voilà. Je suis consciente, je sais des choses. Voilà. Pour le moment, je suis dessus, il m'a trouvé. Il peut pas me détecter un coup. Le jour qu'il va me dire que quitte les réseaux sociaux, c'est qu'il va me donner 2000 euros par mois pour l'un des réseaux sociaux en question, jusqu'à ce que la date que je dis, que j'ai décidé de ne plus faire des clashs, des lives arrive. Voilà. L'homme qui va m'aimer, l'homme qui m'aime actuellement, qui veut rester avec moi, doit accepter ce côté-là de moi. Voilà. Je ne suis pas bête, je ne suis pas, comment on appelle ça, je ne suis pas, comment je peux dire ça, idiote. Voilà. J'ai quand même une morale. Voilà. Donc, du coup, j'ai toujours dit qu'il va arriver un moment, je vais quitter. Et quand je dis quitter, ce n'est pas pour dire que je quitte directement. Non. Je vais arrêter de faire des lives, des clashs ou faire des trucs. Voilà. Je peux donner des sujets, mais être de moins en moins active en fait en réalité. Mais aujourd'hui, les ressources, moi, je suis dessus. C'est ma vie aujourd'hui. Ça fait partie de ma vie. Donc, un homme ne peut pas venir me dire, ah, quitte et puis je vais quitter. Non. Tu veux que je quitte là? Pas venir derrière moi. C'est moi, je décide de ce que je fais. Parce que dans ma vie, je ne dis pas aux gens d'arrêter des choses que eux-mêmes font. Non. Parce que j'essaie de comprendre l'être humain. Voilà un peu. Je me suffis. Il a augmenté. Victoire Gudi, salut Sylvia, je suis servante au Koweït. Ça me fait 7 ans. Je t'aime bien un peu. Peux-tu m'aider à venir en Europe? Merci beaucoup. Victoire Gudi, je peux pas. Comment je peux t'aider? Moi, je ne peux pas t'aider en fait. Tu sais qu'il y a un seul moyen pour venir en Europe, c'est que tu demandes le visa. Fais ce qu'il faut. Maintenant, si tu arrives, si tu fais tous les moyens que tu arrives en Europe pour avoir un suivi, pour savoir les conseils pour pouvoir t'intégrer, je pourrais t'aider. J'ai ma fifille là, comment elle s'appelle? Kevin qui est arrivé il y a 4 mois aujourd'hui en Europe. Elle a tout fait pour arriver. Quand elle est arrivée, elle m'a dit, ah maman, je suis là. Aujourd'hui, j'ai suivi Kevin, je lui ai donné des conseils qu'il faut aujourd'hui. On lui a donné un appartement, elle a assise avec sa formation. Voilà. Moi, si tu arrives, fais tout pour arriver parce que je ne sais pas comment tu vas arriver, mais fais tout pour arriver. Tu expliques ta situation. Je te dirai comment faire pour que tu puisses t'intégrer en Europe. Mais dis que je te fais venir. Ce n'est pas moi qui demande les. C'est pas moi qui délivre les visas, en fait, en réalité. Fais tes trucs comme tu vas là-bas. Quand tu seras là et ici en Europe, je vais te dire quelles sont les règles qu'il faut en France. Comment est-ce qu'il faut marcher pour pouvoir t'intégrer. Et je le ferai pour toi. Voilà. C'est ce que moi je peux faire. Voilà un peu. Sandrine Yakalé dit, tu es une bonne personne, mais. Le mais, c'est quoi, Sandrine? Le mais, là, c'est quoi? Dis-moi le mais. S'il te plaît. Toute cette organisation est possible quand le beau des beaux va mettre le but. My God! Quand le beau des beaux va mettre le but, on va voir la chic vie des vêtements et tout cela sera fini. Mais avant tout, voyage en famille, maison, mariage. Ah ouais? Ouais, mais pourquoi pas? Si je fais un enfant, je vais m'assagir. Hein? Je me rappelle une fois, il m'a dit non, il dit qu'il voulait faire un enfant. Et puis j'ai dit que non. Non, c'est ma marraine. Marraine! Je parlais marraine. Je sentais que c'était marraine, c'est lui, je sais pas qui. Mais on m'a dit, non, Sylvia, faut te faire enfant. Et puis, j'ai dit, non, je n'ai pas vu des stages. Il y a des stages, j'ai ri. Si c'est pas lui, c'est que c'est marraine. Non, c'est pas marraine, c'est lui. Il m'a dit, non, faut faire enfant. Puis, il dit, non, moi, j'ai pas vu des stages. Hein. Il a commencé à rire. On dit, ah, il a dit oui. Il a dit oui. Si, non, donc, si c'est pas le beau, c'est Yves Duro. Ça y est, quelqu'un, j'ai parlé en direct. Parce que là, on m'a dit, fait, tu vas faire ton enfant, tout ça, ton enfant. Puis, il dit, non, je n'ai pas vu des stages. C'est-à-dire que si j'ai fait un enfant, il serait sage. Et ton commentaire me fait rire, en fait, quand tu ne parles pas de ça. Quel est le plus grand sacrifice que tu as eu à faire par amour? Le plus grand sacrifice que j'ai eu à faire par amour. C'est d'avoir cru en l'amour de quelqu'un, en fait. D'avoir cru qu'il pouvait avoir une autre chance que je pouvais donner à quelqu'un. Voilà. Voilà un peu. Lui donner une chance et lui permettre de le mettre sur la bonne voie. Je pense que c'est le plus grand sacrifice que j'ai pu faire pour quelqu'un en amour, en fait. Parce que moi, de la même manière que je vous donne des conseils, comme ça que je suis en amour, comme je dis toujours, quand je suis avec quelqu'un, j'aime pas être voir quelqu'un qui est là, qui ne fait rien, mais qui n'a pas de trucs. Donc, du coup, mon plus grand sacrifice en amour, c'est d'avoir eu à, comment on appelle ça, croire en cet amour, parce que je crois toujours en l'amour. Voilà. Crois que cet amour-là pouvait produire, en fait. Voilà. Crois que
Cette personne pouvait changer, pourtant elle peut pas changer, et positionner la personne pour lui donner le chemin à suivre pour qu'elle puisse continuer. Voilà le sacrifice que j'ai pu faire en fait en amour. Voilà. Donc je vais comment on appelle ça reformuler, c'est-à-dire croire que la personne pouvait changer, donner la chance à la personne de dire ah la personne a merdé hier, cette personne peut changer aujourd'hui. Mais hélas, la personne n'a pas changé. Voilà un peu. Et en plus, c'est de repositionner la personne sur le bon chemin pour qu'il puisse évoluer dans sa vie professionnelle. Voilà le sacrifice que j'ai eu à faire en amour. Elle dit, mais je vais accepter. Accepter quoi? Je ne comprends pas. Sandrine Niakale, je ne comprends pas tes commentaires. Au travail, quand les élèves me demandent quel âge que j'ai, je leur réponds que je suis dans le caca. Ah, d'accord. Ah, Mayotte, tu es enseignante. Yaye Dei qui dit, mais tu es une femme mariée, non? Ben, je suis mariée. L'administration française reconnaît que je suis mariée, en fait. C'est moi qui suis venue vous dire que je suis mariée. Voilà. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et maintenant qu'elle était mariée, on n'est pas mariée. On va prendre un exemple tout simple. C'est-à-dire que, soit quand vous voyez des gens, votre cerveau refuse de réfléchir en fonction de la personne. Est-ce que Emmanuel Keita n'est pas mariée? Réponds-moi, Yéi. Est-ce que jusqu'à présent, Emmanuel Keita n'est pas mariée avec Kafoupa Kobalé? Hein? Est-ce que Emmanuel Keita n'est pas mariée avec Kafoupa Kobalé? Combien de fois on va vous expliquer les choses? Mais c'est quand ça arrive sur moi, vous refusez de comprendre les choses, mais quoi? Je vais aller tout le monde pour que tu puisses comprendre. Est-ce que Emmanuel Keita, par exemple, elle n'est pas mariée à Kafoukou Koulibaly? Elle est mariée à Kafoukou Koulibaly. Ici en France, on la reconnaît comme Madame Kafoukou Koulibaly. Mais est-ce que cela l'empêchait de faire ses fiançailles avec des gens? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est quoi? Donc, parce que moi, je suis mariée, l'administration française me reconnaît que je suis mariée, donc pas que j'ai vu ma vie. Je ne comprends pas en fait, en réalité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est vous qui avez venu dire ici que j'ai divorcé. C'est vous qui avez venu dire que je suis pas fait divorce au tribunal, que juste quand même on m'envoie au tribunal, que la famille de mon mari m'envoie au tribunal. C'est vous qui avez venu dire ça, non? C'est moi qui suis venu vous dire, ah non, je suis pas mariée, je suis toujours mariée. C'est vous qui conjuguez. Voilà. Pourquoi tu ne vis pas avec ton chien alors que tu as l'air de vraiment l'aimer? Mon chien vit avec moi. Mon chien, il est là, c'est parce que je ne le montre pas. Il est là. La dernière fois, je suis partie le chercher à Auxerre, là-bas, vers Auxerre. Tu ne m'as pas fait que je suis partie le chercher. C'est moi qui ne le montre pas. Je le montre quand je veux, comme je veux. Voilà. Sinon, il est là, mon chien, il est là. Betty. Linda dit, moi, je prophétise une petite fille dans 2 ans et tu seras mariée propriétaire avec le beau. Dans 5 ans, on en parle. Propriétaire, là, ça c'est vrai. D'ici, je me donne 2 à 3 ans jusqu'à fin 2007 pour être propriétaire en France. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est l'un de mes projets qui est devant, en fait. Voilà. Voilà, oui, il fait chaud. Voilà, ça c'est l'un de mes projets. Ça seulement, voilà. C'est-à-dire, avant 2000, avant mes 10 ans en Europe, il faut que je sois propriétaire en France. C'est mon projet qui est là. Donc elle est mariée. Il faut les laisser. Voilà, merci beaucoup. Emmanuel Keita n'a pas divorcé, elle est encore mariée. Voilà. Qu'est-ce qui vous fatigue en fait, en réalité? Posez les questions. Posez les questions. Je vous écoute, hein. On a encore 30 minutes de live. Hein. Donc je vous écoute. Tu as un bon projet pour ton achat d'habitat. Oui, ça seulement, je me donne. C'est pour ça que vous me voyez, je suis en train de. Je suis. En fait, en réalité, moi, je suis en concurrence avec mon moi. Pas en concurrence avec quelqu'un. Et en même temps, pendant que je me mets la pression, je me mets mes idées. Voilà, en même temps aussi, je m'amuse, en fait. Cela ne peut pas m'empêcher. Ça, parce que j'ai un projet d'habitation, que cela va m'empêcher de profiter de ma vie, en fait. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, en fait. C'est vraiment important pour moi. Voilà. Le mariage religieux, le mariage à l'église, ça viendra.
Mais pour l'heure, on parle d'abord de ma maison d'abord. Voilà, ma maison. Et puis ensuite, mon fils va m'ouvrir ma première maison en France, ma deuxième maison en France et puis en Côte d'Ivoire. Parce que mon enfant, il va devenir quelqu'un, grand quelqu'un. Tes collègues dans ta vraie vie savent que tu es connu. Il y a beaucoup qui me reconnaissent. Ouais, il y en a qui me reconnaissent dans le travail. Surtout les Noirs. Beaucoup me reconnaissent. Ah, c'est Sylvia. Ah, c'est la Lionne. Sylvia, je suis tes live. Beaucoup. Oui, beaucoup me reconnaissent. Voilà, beaucoup quand je pars. Parce que je reste dans un seul EHPAD. Hein. Je suis intérimaire, donc je fais dans plusieurs EHPAD. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup me reconnaissent, en fait. Souvent, même, j'ai honte, en fait, en réalité. Souvent, quand ils me reconnaissent comme ça, même souvent, j'ai honte. Ouais, d'autres aussi. Mais la plupart du temps, c'est des personnes qui m'apprécient. Maintenant, bon, voilà. Voilà un peu quoi. Sylvia, la dernière fois que tu as insulté le compte de ma mère, alors que je t'ai rien fait de mal. Sandrine Niakale, pour ne rien, tu es venue t'asseoir et puis insulter le compte de ta mère. Pourquoi aujourd'hui, je vois le compte de ta mère? Tu n'as rien fait. Toujours, vous ne faites rien. C'est ça, non? Toujours, vous ne faites rien. En tout cas, moi aussi, je t'ai dit que non. Si j'ai insulté le compte de ta mère, c'est que tu m'as fait quelque chose. C'est que tu as fait quelque chose qui ne m'a pas plu. Qui m'a pas plu. Voilà, donc, ne me dis pas que tu n'as rien fait. Voilà. On continue avec les questions. Yéide, dit, je suis fière de toi car tu es un peu comme moi. Je me lance dans les défis tout seul. Ah oui, ah oui. Un être humain, normalement, il faut te lancer des défis. Et je vais vous dire une chose. Quand tu te lances des défis, il faut avoir des ennemis à côté. Parce que tes ennemis vont te booster. Voilà, tes ennemis vont te permettre d'aller de l'avant. Quand tu n'as pas d'ennemis, quand tu n'as pas quelqu'un, voilà, ça peut pas, tu ne peux pas, comment, franchement dire, aller de l'avant. Donc moi, je me lance des défis. Et c'est des défis que je reçois toujours, en fait, en rester. Voilà. Voilà un peu. Excusez-moi. J'ai un genre de sinusite qui me fatigue là. Allez-y, continuez avec les questions. Vous n'avez plus de questions. Vous allez attendre quand je vais commencer mes lives. Vous venez me poser des questions. Aujourd'hui, j'ai dit, posez-moi des questions. Je suis là. Je vous écoute. Je vais vous répondre. Posez-moi les questions. Ouais, cheveux là seulement, il y a cheveux. Oui, cheveux seulement, il y a cheveux. Cheveux là seulement, j'en ai. J'en ai beaucoup. Yeah. Et puis, c'est touffu. Et puis, c'est touffu. C'est touffu, c'est rempli dedans comme cela. Si quoi, je te demande sincèrement pardon, peux-tu accepter et revenir ami, redevenir ami? Non, je ne peux pas redevenir ami avec elle parce que ce n'est pas mon ami à la base, comme je l'ai dit. Emmanuel Keïta n'a pas été mon ami. Voilà. Emmanuel Keïta, c'est j'étais une fan d'Emmanuel Keïta. Donc, du coup, si elle a été une amie à moi, je ne peux pas redevenir amie à elle. Si elle me demande pardon, je vais accepter le pardon, tranquille. Et puis, je passe à autre chose, tranquille, quoi. Mais pour dire qu'on va devenir amie, non, pas du tout. Et je pense que aujourd'hui, je la taquine. Hein. Ce n'est pas méchant ce que j'ai fait si je la taquine. En tant qu'une personne qui est populaire, donc je la taquine souvent. Voilà, un peu. Sinon, pour dire qu'on va redevenir amie, c'est pas mon amie. Voilà. De toutes les façons, dès qu'on est ambitieux, les jaloux et opposants arrivent de te restreindre. Et oui, ça c'est vrai même. Oui, ça c'est vrai. Je constate que beaucoup de blogueurs ont peur de te clasher. C'est quoi ton secret? Je me suis imposé, c'est tout. Je ne me laisse pas faire. J'ai la grosse gueule. Je sais où taper pour faire mal en fait en réalité. Et ils ne connaissent pas mes points faibles. Quand tu vas en bataille, ne montre jamais tes points faibles. Voilà. Ils savent pas. Et en plus, je ne peux pas dire que ma vie est tellement propre. Je ne peux pas dire que je suis parfaite. Mais j'ai quand même une bonne vie. Voilà. Souvent, quand tu rentres en clash avec quelqu'un, on te tape sur ta vie. Et quand c'est vrai, tu as mal. Mais moi, si vous avez remarqué, ils ont beaucoup inventé. Vous-même, vous l'avez constaté. Voilà. Ils ont beaucoup inventé et eux-mêmes, leurs inventions font qu'ils savent que ça me fait pas mal. Et moi, je tape là où il faut. Je tape là où ça leur fait mal. Et ils évitent. Et ce qui fait que eux, le problème de ces blogueurs, ils ont honte.
c'est pas des blogs, c'est pas des personnes. Là, par exemple, moi, par exemple, je prends un exemple simple. Moi, je peux m'arrêter et puis je lâche devant vous, puis je ris. Et puis ça passe crème. Mais eux, ils vont lâcher, puis ils vont comme ça. Ils vont dire, non, je n'ai pas lâché. Vous voyez, ils trouvent que lâcher, ce n'est pas bon. Pourtant, c'est normal, on doit lâcher. Vous voyez, ça y est, les choses qui leur font honte, moi, ça ne me fait pas honte. Donc, du coup, ils ne savent pas où m'avoir. Et c'est difficile pour eux de faire des clashs avec moi. Voilà. Je suis le genre de personne, je m'insulte d'abord. Et puis, je te lave. Donc, quand c'est comme ça, ils n'arrivent pas à faire des clashs avec moi. Ils ne peuvent pas. Et ils préfèrent laisser tomber. Voilà un peu mon secret. Ah, tu es Dagou. Les Dagou sont peu encore d'Ivoire. Hein. Allez-y, mais posez les questions. Donc, voilà un peu mon secret. Posez les questions. On pose les questions, on pose. Hasta là, comment tu vas? On pose les questions. Si vous avez remarqué au début, il y a pas mal de blogueurs qui me clashaient parce qu'ils ne me connaissaient pas. Mais quand j'ai pris les caméras et puis je me suis mis sur Facebook, là, hein? MHBC, je prends ce profil pour te parler, mais j'ai mon profil que tu connais. Je t'aime énormément. Et j'ai eu la chance de te parler dans la vraie vie. Tu es une femme très vraie et très sympathique. Un bisou d'une amie de Vette de Cotonou. Ah, ok. Je t'aime aussi, MHBC. Gros bisous à toi. Ah, tu t'es malade. Bonne guérison à toi. Prends rétablissement à toi. Oh! Posez les questions. Oui. On va venir aux États-Unis. J'ai venu avec le lionceau. C'est lui que j'attends pour venir aux États-Unis. Voilà, j'ai venu avec lui. Ça y est, mon premier voyage sur les États-Unis, je vais le faire avec lui. Donc, ne vous en faites pas, on viendra. Je viendrai avec le lionceau. C'est lui que j'attends. Voilà. Je viendrai, ne vous en faites pas. Tu te vois où dans 5 ans, my God. Dans 5 ans, je me vois dans ma maison, en tant que propriétaire. J'ai ma maison. J'ai mon restaurant ivoirien en Suisse. Parce que c'est un projet de restaurant que je veux faire. J'ai regardé qu'à Genève, il n'y avait pas vraiment de bons restaurants à Genève. Voilà, donc j'aurai un restaurant en Suisse. Dans 5 ans, j'aurai mon restaurant en Suisse. Mon fils qui s'apprête à être la plus grande star mondialement parlant, parce que dans 5 ans, on pourra parler de mon enfant et on pourra parler de la mère que je suis. Dans 5 ans, je serai tranquille avec le beau des beaux, vivant paisiblement. Dans 5 ans, je serai déjà infirmière. Inch'Allah, si Dieu le veut, Dieu le voudra, il me donnera encore la vie. Dans 5 ans, je voyagerai partout avec le beau des beaux. On fera l'amour partout dans le monde. Voilà un peu ma vie dans 5 ans. Tu souhaites avoir combien d'enfants? 2,5. 2,5. J'ai déjà 2. 2,5, là, c'est peut-être pour le beau. Voilà, 2,5. En tout cas, tu es un médicament. Et celle qui te surveille au boulot, là. Qui me surveille au boulot, même? Ah, la fille qui avait commenté, là. Laisse tomber. En fait, c'est des futilités, Nabil, là. C'est des futilités. Ils sont là. Attends, je réponds d'abord aux dernières questions que j'ai parlé. Est-ce que tu crois encore à une réconciliation véritable entre les autres blogueurs avec qui tu es en désaccord? Une réconciliation véritable? Ben, on n'a plus de problème, hein? Moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un, hein? Les blogueurs. Ce que vous devez comprendre, c'est que chacun fait son chemin. Voilà. Moi, je peux te clasher une fois. J'ai fait mon chemin, mais j'ai pas de problème avec toi. Si vous avez remarqué, Aya ne fait plus clash avec moi. Evige aussi. Yaka aussi. Jessie Dieu aussi. On n'est pas un truc. Voilà. Il peut arriver qu'on ne peut pas être d'accord sur des sujets. Et puis ça va entamer des discussions.
Mais moi, je ne suis pas en clash avec quelqu'un. Je ne suis pas en palabre avec un blogueur. Voilà. Ça, c'est les blogueurs que je parle d'eux, avec qui j'étais. Maintenant, peut-être les petites blogueurs de merde, là. Non. Voilà. Les petites blogueurs de merde sorcières, là, non, non. Ce n'est pas mon niveau. C'est des personnes avec qui j'ai eu à parler. Bon, basta, ce n'est pas mon niveau. Ce n'est pas des personnes que je dois côtoyer dans la vie, en fait, en réalité. Donc, elle et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde, en fait. Donc, quand on parle des blogueurs, c'est ceux que j'ai cités, en fait. Les petits blogueurs de merde, là, ce n'est pas ma catégorie. Voilà. Et puis, ce n'est pas des femmes de mon époque, de ma génération. Non, pas du tout. Voilà un peu. Donc, je ne suis pas en parler avec quelqu'un. Et c'est pas, je ne suis pas là pour avoir des amitiés avec des blogueurs. Ça, je le dis toujours. Et comprenez cela. Je n'ai pas d'amis blogueurs. Voilà un peu. D'accord. Certains voient juste la forme, mais pas le fond de ta personne. C'est grâce à toi que j'ai pu créer mon auto-entreprise. Merci pour les conseils. Si c'est des mal à dire. Ah, la santé Amazon. Non, il faut laisser ça. Comme je l'ai dit, je ne suis pas sur Internet seulement que pour les clashs. Non. Je suis sur Internet pour beaucoup de raisons. Là, je donne des conseils souvent. Je suis là pour aider des gens dans la vie active, dans la vie professionnelle. Et j'apporte mes conseils. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. Côté professionnel et côté administration, les gens me prennent pour exemple. Et beaucoup m'appellent. Des mères qui ont 50 ans, que je suis âgée, qu'elles m'appellent pour cela. Donc, du coup, je suis là pour ça. Voilà. Ceux qui ont vu le bon côté, comme je l'ai dit, quand tu es avec quelqu'un, prends son bon côté puis évolue avec la personne. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ceux qui ont vu mon bon côté puis ils évoluent. Il peut arriver justement mood et puis bon, basta, on s'allume. Voilà, c'est le game. C'est le ça, on appelle ça le game en fait en réalité. C'est tout. Voilà. Donc, pour revenir, j'ai répondu à toutes les questions pour le moment. Posez les questions pendant que je parle. Mon travail, je l'ai dans mes mains. Voilà. Mon travail, je l'ai dans mes mains. Quand je passe quelque part, je suis appréciée de mes responsables. Je suis appréciée parce que je mets de l'énergie dans mon boulot. Je le fais avec amour. Voilà. Donc, ceux qui sont là pour dire que ils vont s'attaquer à mon travail là, c'est du n'importe quoi. Ils nourrissent. Ça y est, ils cherchent la petite bête où ils peuvent aller pour m'attaquer. Moi, quand je te croise, quand tu es une fille noire, que je vais faire mon intérim, que je te crois dans un EHPAD, que tu me poses une question, Sylvia, tu travailles où? Je te dis, et tu viens de quelle boîte? Il dit, Adéco. Je te mens bien plus sur assise. Parce que je sais que, d'abord, de un, ta manière de me regarder, c'est que tu me reconnais. Je suis populaire. Donc, ma vie, ça, parce que tu m'as vu en vrai, qu'on est collègues, que tu as pensé qu'il vient venir raconter ma vie chez toi. Non, on est juste des collègues là, d'une journée, et basta. Donc, quand tu vas me poser des questions, pour ne pas te frustrer, je vais te répondre avec des mensonges. Je prends la plus grosse boîte qu'on connaît dans le monde, en France. Qui a déco, puis je parle, puis tu t'en vas. Tu vas à la déco. Tu vas parler là-bas. Les gens sont en deux boîtes d'intérim, trois boîtes d'intérim. Moi, j'ai deux boîtes d'intérim, mais je n'ai pas à déco. Voilà. Ma deuxième boîte, là, je n'ai pas encore activé ici. Je suis avec l'ancienne. D'ici mars, là, j'ai commencé à activer la deuxième boîte d'intérim. Donc, je ne sais pas. Vous allez faire quoi? Ils vont rien faire, en fait. C'est-à-dire, ils sont perturbés. Ils n'arrivent pas à comprendre mon rythme. Ils n'arrivent pas à voir mes trucs. Ils n'arrivent pas à voir. Et je vois l'autre qui est en faux profil là-bas. Je vais te répondre aujourd'hui. Tu dis que tu as. À cause de moi, tu parles de. Comment on appelle ça? De hôtel. Parce que quand je te réponds, tu seras heureuse. Tu parles de hôtel de président. Que tu vas. Je viens de répondre à ça tout à l'heure. Tu vas à l'hôtel de président pour me croiser. Ma chérie, ce soir, quand je termine. Il faut écouter. Hein? Quand je termine. Je gare, je suis juste à côté de l'hôtel du président. Je ne fais pas de transport. Je vais aller m'asseoir. Pas demain, travaille pas. Je vais aller m'asseoir. Je te mets au défi. Tu dis que toi, actuellement, tu as pris maison. Tu as pris chambre à l'hôtel du président pour venir me bastonner. OK. Dieu merci, tu l'as dit. Ce soir, quand je finis, demain, je ne travaille pas. Voilà. Je vais m'asseoir à l'hôtel du président. Je vais prendre une boisson. Et puis, je vais t'attendre là. Je finis à 21h. À 22h, je serai là-bas. Donc, il faut t'asseoir, tu vas me frapper, je vais te voir en fait en réalité. Quand tu te regardes, tu peux vivre à l'hôtel de président. T'as dit, tu es là, je fais mes snaps tranquilles, j'affiche mes trucs tranquillement, tranquille, tu prends et puis tu racontes ta merde. Tu vois, c'est Google, là, ici. À cause de moi, tu visites Genève actuellement. À cause de. T'as dit, tu es en faux profil. T'as dit, ce qui te fait mal. D'abord, de un, tu n'as aucun homme. Tu voudrais un homme qui puisse t'envoyer dans un hôtel où tu vas vivre la vie.
Parce que mon voyage au Maroc t'a perturbé en fait en réalité. Je te réponds pour que tu puisses comprendre. Si aujourd'hui, parce que je te lance le défi, si aujourd'hui je vais à l'hôtel de présent que tu n'es pas là-bas, il ne faut plus jamais prononcer mon nom. Oui. Ne prononce plus mon nom. Et tu cries, Octogone, Octogone, avec ta vieille voix. Aujourd'hui là, je te donne l'opportunité de me frapper. Et là où tu es, tu dis que tu as tellement à Genève, que tu as un week-end, que tu es là pour, d'après toi, dans ta tête, que tu es avec un homme à l'hôtel, le président. Quand tu te regardes, avec ta vieille voix là, toi tu peux être à l'hôtel du président. Tu peux rentrer là-bas. Tu peux passer un week-end là-bas. C'est ton rêve. En fait, en réalité, c'est ma petite vie là que je vis qui vous fatigue. Vous n'avez pas d'homme. Vous ne voyagez pas. Vous ne vivez pas l'amour. Ça vous fatigue. Que vous rêvez maintenant. Hier, j'ai fini là. Hier, j'ai garé devant chez moi. Et j'ai pris la rue Paki. Voilà, j'ai pris la rue Paki parce que là, cette rue là, la nuit, c'est animé. Et j'ai pris la rue Paki pour aller, comment on appelle ça, pour aller payer mon sandwich avec mon Kinder. Et j'ai fait une petite vidéo. Et bon, écrit, c'est pas la rue Paki. C'est pas la rue, mais tu es malade, tu es bête quoi, parce que tu es bête, mais quoi. Ça y est, tu es là-bas, tu ne connais même pas la Suisse, tu ne sais rien. Où est mon téléphone là? Ah, attendez. Ah, je suis à mon Snap. Ah, où est mon autre téléphone? Je l'ai mis où? Les amis. Non, je suis sûr qu'il est là. Parce que là, j'ai fait le live en ce moment. Écris, c'est pas la rue Paki. Elle pas flotte, elle ment. Tu parles de quoi? Qu'est-ce qui est ton flottage? Depuis tu parles pour dire que oui, je te reprends un peu. Parle ton cerveau, il est là. Parle ton cerveau un peu renversé d'une manière là. Je vais voir si les snaps sont arrivés ici. Je lis d'abord un message que j'ai reçu. Parce que apparemment ton cerveau est renversé en fait. Oh là là. On a que ton. Bonjour, on est mignon. Ton cerveau est un peu renversé d'une manière là. Toi, tu connais la rue Paki. Ouais, c'est ici. Regardez ma vidéo là, je vais retourner la caméra. Hier, j'ai fini de bosser. Et j'avais fait en fait. Et j'ai pris la rue Paki là pour. Comment on appelle ça? Pour aller. Comme c'est animé là. J'ai pris la rue Paki là. Voilà ça. Vous voyez? Voilà. Je suis arrivée hier à 22h tranquille. Regardez bien. Elle dit c'est pas la rue Paki. Et puis elle dit je mens. Voilà Migro. Voilà, je bloque. Attends. Voilà Migro qui est là. Voilà Migro qui est là derrière moi. En orange, c'est Migro qui est là. Voilà, là. Oh. On voit pas bien. Je vais te snapper ça ce soir. Voilà la rue Paki qui est là. Voilà Migro. Ça, c'est un supermarché. C'est Migro qui est là. C'est Migro qui est derrière moi. Elle crie. Elle est en train de crier. Non, elle n'est pas la rue Paki. Elle ment. Tu parles de quoi en fait en réalité? Tu connais la Suisse, toi? Tu connais la Suisse, toi? Tu es papier. Quelqu'un fait ce truc. Et puis elle vient s'asseoir pour dire que oui. Ah non. Que oui, moi j'ai dit que je travaille. Moi je suis venu m'asseoir ici. Moi je suis venu m'asseoir ici pour dire que je travaille en Suisse. Je t'ai une fois envoyé un courrier pour dire que je travaille en Suisse. Je t'ai une fois dit ça. Ça y est, tu t'assois dans ton petit monde là-bas. Tu t'inventes des choses. Tu m'inventes des paroles, des propos. Quand oui, tu allais dire que Emmanuel Keïta ne peut pas être en Suisse, non. Toi, tu ne peux pas être en Europe. C'est la même que tu fais. Tu es bête, tu es stupide, quoi. Hein? C'est moi qui fais mes vidéos pour montrer à mes abonnés. Quand je les montre, quand je suis à la frontière, quand je sors de la Suisse, je les montre, ils voient. Hein? Ils voient bien. J'ai dit une fois ici que je travaille en Suisse. Hein? J'ai dit une fois que je travaille en Suisse. Si tu n'as rien à dire sur ton blog, faut la fermer. Faut la fermer. Ça, tu es tellement ridicule, en fait. Ce soir là, ce soir, comme tu dis aux gens que tu dors dans l'hôtel président, j'arrive là-bas. Tu vas même pas me chercher. Moi-même, j'arrive. D'accord? Moi-même là, j'arrive à toi. Et puis ta gueule que tu fais sur internet pour dire que tu vas me frapper là. J'arrive. Faut pas fuir. Faut pas dire que non, c'est faux. Faut pas dire non, j'arrive. D'accord? Elle est là, elle prend mes vidéos. Et puis elle raconte sa mort. Je fais une vidéo où je vais pas seule. Elle met un poste qui n'a rien à voir avec mon sujet. Et puis elle crie là-bas, elle se fait flottage. Et puis elle a ses moutons, des gens qui sont bêtes aussi, qui parlent aussi. Voyez, elle ment, j'ai ment, c'est quoi? La rue où je te sais pas la rue Paki. Hein? Tu connais la rue Paki? Tantôt, tu dis que j'habite la rue Paki. Après, encore, tu dis que je ne sais pas la rue Paki. Si on te demande où j'habite, tu sais, non. Tu prends mes snaps. Quand j'affiche quelque chose, tu veux snapper.
ta tolole aussi qui est là-bas, qui est à Paris aussi. Vieille connasse. Elle dit non. Et quand elle a mis les captures, elle dit non. Que moi là, elle n'est pas en Suisse, hein, c'est faux. Elle dit, elle n'est pas en Suisse, elle ne vit pas là-bas. Hein. Tu peux être chez toi, et puis taguer la tour Eiffel. Ça y est, quelqu'un snap en face d'elle. Elle snap rue de Suisse. Et puis elle snap hôtel président pour dire voilà. Ça y est, hôtel président est à sa fenêtre. Et puis elle snap. Et puis tu dis non. Hein. Si elle a mis tag là, c'est pas ça. Pourtant, on dit voilà, hôtel président qui est là. Ça y est, tu vois hôtel président en vidéo. Tu dis non, comme ça, tagué là. Ça veut dire tellement des maboules en fait. Des villageoises. De vraies villageoises. En tout cas, à cause de moi là, vous allez connaître la Suisse un peu, vous allez voyager un peu, vous allez rêver un peu. Comme toi aujourd'hui, tu dis que tu rêves, que tu es actuellement, que tu es couché à l'hôtel président. Moi-même, j'arrive là le soir. Mm-hmm. Quand je garde ma voiture là, je ne vais pas me changer pour que tu puisses connaître la vie que je porte. Je ne vais pas me changer. Je vais m'asseoir là. Oui. Je vais m'asseoir là. Je porte mes chaussures calmes. Je porte mes chaussures, et puis je m'assois. Et puis je commande une truc, et puis je t'attends. Donc là, tu as sorti de ta chambre. Je vais mettre la vidéo. C'est si aujourd'hui tu m'as pas frappé là. Faut plus jamais. Quand je vais arriver, je vais lancer le live. Pour que tu puisses venir me frapper. Je vais voir. Si tu es femme là, je vais voir. Aujourd'hui, je te réponds. Aujourd'hui, je te réponds. Hein. Et quand elle va pas qu'elle dit non, elle a fui. Aujourd'hui, on va voir. Ça y est, la plus grande mytho, c'est toi. Non. Manier que ça va laisser. Elle ment. C'est une mytho. Elle n'est pas en Suisse, elle ment. Mais laisse. Il a dit que je vais partir à l'hôtel là-bas. Elle n'a qu'à venir. Voilà, elle n'a qu'à venir. Hein? Comme tu fais la même chose avec elle, non? C'est ta paquet. Non. Ma chérie, je ne suis dans conjugaison. Voilà. Quand moi je parle de Emmanuel qui est là, je mets les preuves. Christian avait 10 000 étoiles. Elle est fâchée. 10 000 étoiles, un coup bon. Ma chérie, je dis que c'est vous qui êtes là. Elle a peur. Il a dit, oh, Dieu, votre défi est là. Votre défi est là aujourd'hui. Il a dit que je vais vous trouver à l'hôtel président. On ne conjugue plus. Je vais vous trouver à l'hôtel. Vous avez peur maintenant. Aïe. Vous ne voulez plus me frapper. Vous ne voulez plus me frapper. Vous avez peur maintenant. Vous ne voulez plus voir la lienne en face. Faut pas conjuguer. Faut laisser Emmanuel qui est là. Je dis que ce soir là, je suis à l'hôtel de président. Elle va me frapper. Voilà. Elle va me frapper. On va voir. Si aujourd'hui, elle ne me frappe plus là, faut plus elle va crier sur Internet. Faut plus elle va crier sur Internet. Oh, du seulement là, je lui donne l'opportunité. Voilà. Donc si elle n'est pas à Genève, parce que je pars dans la journée, il est 13h. Si elle n'est pas à Genève, là, elle n'a qu'à prendre son train en même temps pour venir à Genève. Et puis elle n'a qu'à s'asseoir à l'hôtel président là-bas. Parce que c'est qu'elle n'est pas là-bas. Elle n'a pas les moyens de dormir là-bas. Elle n'a pas les moyens de manger là-bas. Voilà. D'accord? Ok? Si elle est femme, qu'elle vienne le faire en fait. Comme elle-même, elle a donné le lieu pour dire non. Et je suis à Genève. J'ai me balader dans les rues pour la frapper là. Non. Tu n'as pas me chercher dans les rues. Je vais m'asseoir. Je vais te trouver à l'hôtel de président. Je vais m'asseoir là-bas. Puis tu vas venir me frapper. Puis on va voir. Si tu es femme, on va voir. Je ne connais pas encore. Il n'y a rien, ça fait ici, ma chérie. Ça ne fait rien ici. Ça ne fait rien ici. Quand vous mentez, et puis on ne veut même pas sur votre gueule vous conjuguer, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait quoi? Faut me dire, ça fait quoi? Faut dire, ça fait quoi maintenant? Qu'est-ce que ça fait? Vous mentez, on met votre cuit dehors. Vous mentez, on met votre. Laissez les 10 000 étoiles. Manière, laisse. Il a dit de laisser. Il n'y a rien. Vous mentez, quand on vous répond maintenant, vous conjuguez. C'est quoi ça fait? Où ça est? Tu penses que les conneries qu'elle raconte, ça me fait quelque chose? Elle raconte quoi de mieux? Elle raconte quoi? Quelqu'un qui est au village là-bas qui ne connaît pas la rue Paki, elle dit non, c'est pas la rue, c'est ça qu'elle fait quelque chose? Non, si elle n'est pas dans la rue Paki, vous êtes juste bête en fait en réalité. C'est tout? Vous êtes juste bête en réalité. Voilà. C'est quand on est au cul de maintenant. C'est quand elle vous ignore. Elle a peur. Maintenant, quand on vous répond encore, non. Qu'est-ce que ça fait? Vous me dites. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce qu'elle a fait là? Rien. C'est moi, je snap ma chose. C'est moi, je mets. Elle a découvert quoi? Demande-lui mon adresse. Elle va jamais mettre mon adresse. Demande-lui. Elle a qu'à te trouver la porte. Elle est assise et puis elle est vente. Non, elle est dans telle rue. Non, elle est ici. Elle connaît pas.
Un jour, je sortais de chez moi, et puis j'ai fait une vidéo, j'ai fait un snap, et puis j'ai montré la police, j'ai montré que ma voiture était garée à la police municipale. Qu'elle a vu là? Elle a assis, elle contourne tous mes snaps pour réfléchir, mais si tu lui demandes, elle dit rien. Elle dit qu'elle me signalait à la préfecture. Où ça y est? Elle dit qu'elle va aller derrière la main de Troco. Où ça y est? Rien. Depuis là, ne vous montre rien de bon. Elle est là, tellement que vous ne commentez plus, tellement que c'est plus intéressant comme au début, elle est obligée de vous de taguer tout le monde, taguer les gens, puis faire au moins 10 commentaires. 10 commentaires pour se faire voir. Aujourd'hui là, ça a fini. Parce que c'est ma pas prévu aujourd'hui là. Vous-même là, vous n'avez plus trop d'elle. Donc, ça y est, tu parles parce que tu sais que son cul sera dehors. Tu parles parce que tu sais que c'est une mytho, elle ment. Elle n'est pas en Suisse, elle n'est pas le peuple président. Elle ment. Elle n'a pas gare. Donc, moi, je lui mets le défi aujourd'hui. Je dis que quand je finis, je finis à 21h. J'arrive à Genève à 22h. Oui. Et je m'assois à l'hôtel président. Je vais voir même s'il fait ma quelle. Je m'assois. Voilà. Vous n'avez pas là quelqu'un qui a la main de ses politiques. En dernier, c'est pour moi là qui m'effraie. Je m'assois. Et puis, je vois si elle peut. N'importe quoi. Donc, va lui dire en même temps. Mm-hmm. Donc, va lui dire qu'elle pense le balichon, qu'elle vient en Suisse. Elle n'a qu'à aller dormir, elle te présente, puis elle va m'attendre là-bas. Elle est là. Je te dis, la vie n'a rien dit de bon. Tu dis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? C'est quand tu mens là que, quand on sort ton secret, ça fait mal. Elle a dit quoi? Hein? Au contraire, vous mentez pour dire qu'elle est là en Suisse, pourtant elle n'est pas en Suisse. Maintenant, aujourd'hui, on dit qu'elle a démystifié. C'est tout. Maman, j'ai envie de la voir. Comme elle dit qu'elle est en Suisse, ça aujourd'hui. Elle lui dit qu'aujourd'hui. Comme elle dit qu'elle est à l'hôtel de président, c'est pas loin de chez moi. C'est juste à ma fenêtre. C'est pour descendre seulement. Mm-hmm. Quand je vais arriver là, je garde net là, puis je descends simplement. Elle va plus se fatiguer pour faire Google. Mm-hmm. Moi-même là, elle va plus se fatiguer pour faire Google. Aujourd'hui, dites-lui qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc si elle n'est pas en Suisse actuellement là, elle n'a qu'à prendre ses balais chauds pour arriver. On va voir. Quand je vais arriver, elle lance un live. Et puis je vais la voir me frapper. Vous allez, ça y est, je lance le live et puis vous allez la me frapper. Oh oui, c'est aujourd'hui. Vous suivez des gens qui sont bêtes en fait. Une fille qui est bête comme cela. Et puis elle dit quoi? Elle dit quoi? Hein? Je n'ai même pas dit qu'elle venait travailler en Suisse, non. Et puis non, il y a une qui crie là. Tu ne peux pas vivre en Suisse. Maintenant, il vient en Suisse, tu dis quoi maintenant? Tu ne peux pas vivre. Ta calme, c'est une tu ne peux même pas vivre en Suisse. Maintenant, je suis en Suisse. Maintenant, elle est dans cette bouche bien. C'est ta là maintenant. Moi, je vais vous dire de travailler. Ma chérie. Ma chérie. Il te donne seulement un an. Même un homme petit, quelques mois. D'accord? Je suis femme de français. Ok? En Suisse, là. Pour ceux qui t'en disent, je vais informer les gens. En Suisse, quand tu as marié un français, même si tu as la carte de séjour et que ton mari et toi, vous vous installez en Suisse, tu as le droit de faire un regroupement. Il a le droit de faire un regroupement familial. Ça y est, lui, quand on finit de lui donner sa carte de résident 3 mois après, toi, tu fais ton regroupement familial. Et un mois qui suit, même 2 mois qui suit, ta carte sort. Ça ne chauffe pas. Quand vous ne connaissez pas les règles d'un pays, la fermez-la en fait en réalité. Asseyez-vous puis regardez-moi. Voilà. C'est moi qui parle de la Suisse aujourd'hui. Et puis Suisse est dans votre bouche aujourd'hui. D'accord? Tu as assis, tu connais ça, l'hôtel présent en Suisse. Tu es rentré là-bas. Tu connais cet hôtel en question? L'hôtel présent 800, tu connais ça? Hein? T'inquiète. J'avais prévu aller manger là-bas. Voilà. J'avais prévu aller manger. Quand je vais aller manger, tu verras comment ça y est. Tu vas voir bien. Et tu rêves de dormir là-bas. Je vais dormir et puis te filmer ça pour t'envoyer. D'accord? Voilà. Il y a celui et puis il y a un autre hôtel en Lausanne. Pour le moment, je suis en train de travailler. Voilà. Quand j'ai fini de travailler, je te montrerai bien la Suisse. Je te montrerai bien la Suisse. Les vrais points de la Suisse. Actuellement, le soleil est en train de sortir. Et tu verras. Parce que tu n'as pas les moyens de ça. D'accord? Donc, il faut t'asseoir à l'hôtel du président. Faut pas sortir. Dis à ton soi-disant chéri que tu ne bouges pas aujourd'hui. Parce que tu as pour mission de venir me frapper en ce moment. On t'attend. Tu ne connais pas encore. Tu vas comprendre que la réalité est différente du visuel. Non, ça c'était pour toi. Je ne dis pas dessus. Donc, si aujourd'hui je ne te vois pas à l'hôtel du président et que je ne te vois pas quelque part, tu la fermes désormais sur moi. D'accord? Tu la fermes désormais. D'accord? Voilà. Quelqu'un vit sa vie tranquillement. Et puis tu es là, tu es là, et puis tu mens. Hein, mens. Quelqu'un dans la rue Paki, tu sais comment la rue Paki, puis tu dis que ça va la rue Paki. Montre-nous la rue Paki, on voit. Quand c'est comme ça, là, quand tu veux dire que quelqu'un ment là, toi-même, comme tu es en Suisse déjà, tu te lèves, puis tu vois la rue Paki, puis tu snaps, tu dis ah, voici la rue Paki, hein. Voilà, tête, et puis on voit. Mais tu prends ma vidéo, puis tu dis il ment.
Pourtant, tu n'as pas de contradiction. Tu vois, comme tu es bête, casser papo même te dépasse. Faire les papos bien, ça te dépasse. Tu ne sais pas casser papo. Tu ne sais pas faire les papos. Les preuves, tu ne connais pas. Tu dis que tu en suces. Ce n'est pas la rue par qui où je suis passée hier. Ok, on est d'accord. Mais toi, tu te lèves et puis tu filmes bien pour montrer aux gens. Et puis on te croit. Tu vois que tu n'as pas de tellement débit. Tu vois mettre tes commentaires. Tu sais, je n'ai jamais. Est-ce que tu me vois comme il fait poste, il tag follower. Je ne vais pas bien de taguer follower. Mais toi, tu tag follower. Tu vas faire au moins 20 commentaires sur ta page pour que ça bouge. Non. Je n'ai pas besoin de ça. Il y a un couple qui a 10 000 étoiles. Une seule personne a envoyé 10 000 étoiles. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Ma vidéo, qu'elle fait là. Hein? Elle dit Sylvia, laisse. Sylvia, laisse tomber. Tu es trop bien positionnée dans ta vie. Hey! Christian, tu vois? Ma debout. Elle envoie 10 000 étoiles pour ne pas que je te laisse. Mais ma debout, laisse, attends. Elle ne va rien faire, ma debout. Elle ne sera pas là. Tu as compris? C'est des imbéciles là. Il faut fermer leur bouche comme ça. Elle ne sera pas là. Elle ment aux gens qu'elle est à l'hôtel. Elle n'est pas là-bas. Je vis juste derrière l'hôtel. C'est pour marcher puis aller. Elle ne pourra rien faire. Et si elle tente là, on va l'enfermer en Suisse là-bas. Laissez. Voilà. Laissez. Elle tente ce soir là. On va l'enfermer en Suisse. Elle même c'est ça. Donc laissez. Je vais arriver puis elle va montrer au Togo. Elle va faire. Par là qu'elle fait, on va voir. Elle va comprendre que la réalité, si elle connaît sur Internet, c'est la même si elle dans sa vraie vie. Faut laisser. Je vais fermer sa bouche aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui mentent là, c'est comme ça. Voilà. Attendez, on va bloquer quelqu'un rapidement. Voilà. Ils vont avoir mal comme ça. Elles vont activer l'arrogance de Vette. Elles vont. Attends. Pour le moment, c'est trop concentré sur le boulot. Mais attendez. Elle m'énerve même demain, je vais m'asseoir à l'hôtel président. J'ai ma vie propre. Et puis elle m'a à l'hôtel président. Ça ne change pas. Elle va m'énerver. Elle va m'énerver. Demain, il m'habille. Et puis, il va manger au restaurant de l'État président. Je n'ai pas fait de réservation. Tant que le prochain week-end. Voilà. J'ai bien planifié tout. Imbécile comme cela. Bon, les amis des Vettes. C'est à moi. On se dit à demain pour le live. Du soir, là, je ne vais pas. Non, restez connectés ce soir parce qu'on fait un live de Nyanga. Parce qu'on va me frapper en live. Donc, restez connectés parce que j'ai lancé le live depuis l'hôtel du président. Mais on se dira à demain pour un grand live. Voilà. Et d'ici, comment on appelle ça? Je reprends. J'en ai mes chaussures, pas. Et d'ici, comment on appelle ça? Ah, c'est la transmission bientôt. D'ici, comment on appelle ça? D'ici la fin de ce mois, on va reprendre nos lives bien. Il serait bien. Bien assise, bien posée. Je n'aurai pas trop de trucs à faire. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Vous savez que puis je conduis aussi tellement. Donc ça fait que souvent je suis fatiguée. Quand j'arrive, je suis fatiguée pour faire live. On se dit à demain. Gros bisous.